sur ma chaîne YouTube Romain tire les cartes. Bienvenue à tous mes amis qui sont du signe de la balance, que ce soit en signe principal, c'est-à-dire solaire, lunaire ou de signe ascendant, ou en Vénus. J'espère que vous allez tous très 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 bien. Je suis heureux de vous retrouver pour votre tirage de vie sentimentale pour ce mois d'août 2020. Septembre 2020. Excusez-moi, j'ai du mal à m'imaginer qu'on est déjà en septembre. Waouh! Bon, que le temps passe vite. Enfin bref. Voilà, on va faire votre tirage de vie sentimentale. Gardez à l'esprit que ce sont des énergies, ce ne sont pas des prédilections, c'est des tendances énergétiques. Ça n'a rien à voir avec des prédilections et ce n'est pas gravé dans le marbre même. Gardez quand même un esprit critique. Voilà, bon, ne prenez pas tout au premier degré. Hein. Vous êtes libre de choisir votre destinée, votre chemin de vie. On va faire comme pour le mois de juillet et d'août, nous allons faire sous la forme du cœur. À ma gauche du cœur, c'est la première moitié du cœur à ma gauche, ce sera pour vous, mes amis Balance, et de l'autre côté, ce sera pour votre partenaire. Alors, si vous êtes en célibataire, donc si vous êtes seul, ce sera la personne à laquelle vous pensez, vous idéalisez, la personne à laquelle vous pensez, que vous choisirez au préalable, la personne voilà, que vous aimez, que vous aimeriez qu'il y ait plus des affinités, qu'il y ait plus qu'une relation d'amitié ou je ne sais quoi. Ce tirage, il s'adapte pour tous les sortes, entre guillemets, de couple, que ce soit amical ou je ne sais pas trop quoi. Voilà, donc vous l'associez et c'est à vous de faire le travail de choisir votre partenaire, etc. Si vous avez personne dans le viseur, ça peut être tout simplement la personne qui vous est destinée. Bon, je vais faire ce tirage principal avec le tarot de Marseille et en complément le tarot des anges. Voilà, je pense avoir plus ou moins tout dit. Oui, ah oui, si ce tirage ne vous fait pas écho, pas de panique, allez voir je vous conseille très très fortement d'aller voir votre signe ascendant ou lunaire ou Vénus, à vous deux, surtout si vous êtes du même signe, d'aller voir tous deux vos signes ascendant et lunaire respectifs et Vénus, pour avoir une guidance si vous en avez besoin, et puis pour avoir des messages ou pour avoir des petites choses, gardez à l'esprit de prendre uniquement ce qui résonne en vous. Voilà, j'ai fini de blablater. On va pouvoir commencer. À tout de suite, mes très chers. Allez, les balances, nous sommes partis, mon kiki. Bon, j'ai envie de vous poser une question. Vous n'êtes pas obligé de me la répondre dans les commentaires, mais qu'est-ce que vous essayez de faire? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Bon, c'est assez bizarre, mais bon, durant ce mois de septembre, il y a beaucoup de changements pour vous, notamment avec ce qu'on a vu en août, avec cette emprise, cette emprise qu'on voulait avoir sur vous. Eh ben, je sais pas, c'est comme une sorte de vengeance. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on a abusé de vous, qu'on a essayé de vous mépriser, qu'on a essayé de vous contrôler, que maintenant c'est vous qui voulait contrôler les autres? Je ne sais pas trop. J'avoue que c'est assez bizarre, c'est assez curieux. Bon, on va rentrer dedans. Je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Il y a quand même beaucoup d'arcanes majeures durant ce mois de septembre. Ça bouge beaucoup, hein. J'ai pas encore fait votre lecture générale, donc je ne sais pas encore de quoi est-ce que ça en a, de quoi ça en a l'air. Mais nous avons tout de même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a quand même 7 arcanes majeures. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. On a le mât, l'impératrice, le pape, la papesse, le soleil, le diable, la roue de fortune. On a un 10, on a un as, on a un seul personnage, le roi de bâton, on a deux as, et on a un 10, non, on a deux 10. Ok, bon, très bien, j'ai vu un peu grosso modo, on va rentrer dedans. Bon, très bizarre tout ça, on va essayer d'éclaircir.
Très bien. Le début de votre relation, c'est-à-dire le lien qui unit vous et votre partenaire, est symbolisé par le roi de bâton. Le roi de bâton. Plusieurs façons de le voir, et du moins plusieurs interprétations que vous allez pouvoir assimiler à votre à ce que vous vivez. Première façon de le voir, votre relation avec votre partenaire est très bien ancrée dans le sol. Roi de bâton, il est bien assis sur son trône, il est bien, il est stable, et puis il regarde vers l'avenir, il sait se projeter, mais du moins, c'est un roi, donc il est stable. Faut pas oublier que c'est un roi, et un roi, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des ordres. Alors, je dis pas que vous donnez des ordres à votre partenaire ou vice-versa, c'est pas du tout ça, mais je sais pas, j'ai comme l'intuition, quoi. J'ai comme l'impression que soit vous, là j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui essayez un peu de prendre le pouvoir, qui essayez un peu de, pas forcément prendre le pouvoir sur votre partenaire, mais qui, vous verrez ce que je veux dire, mais qui, comme si vous essayiez de venir porter la culotte, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, on va voir ça après. Voilà, mais sachez que c'est quand même une relation qui est passionnée. On est dans les bâtons, c'est le feu. Donc c'est une relation qui est passionnée. Vous deux, donc vous êtes tous les deux investis. Visiblement, à ce que je vois, vous ressentez tous les deux, vous ressentez tous les deux de l'affection l'un pour l'autre, donc c'est pas un souci. Donc voilà. Bon, encore une fois, j'ai oublié de le préciser. Si vous vous reconnaissez plutôt de ce côté-là à ma droite, vous pouvez très bien interchanger les rôles de vous et votre partenaire, hein, bien évidemment. Donc voilà. Bon. C'est plutôt, on va dire, un bon point de départ pour vous. Très bien. Votre état de pensée. Oui, votre état de pensée. Ce que vous pensez, ou du moins votre état d'esprit. Durant ce mois de septembre, nous avons l'as d'épée et nous avons le mât. Alors, on a quand même deux énergies qui sont, qu'on se le dise, qui sont quand même très très puissantes. Pourquoi elles sont puissantes? Parce que ce sont deux énergies qui sont complètement libres, qui sont légères. On commence par l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la clarté, c'est la lucidité. Ça peut symboliser aussi la clairvoyance, mais du moins, c'est le fait de pouvoir percer un peu tous les secrets. C'est voilà, c'est la lumière, vraiment pouvoir éclairer toutes les zones d'ombre. Pour vous, il n'y a plus aucun secret. Donc, vous avez un peu comme un troisième œil qui est quand même très bien développé durant ce mois de septembre, où vous allez pouvoir percer tous les mystères, soit pour vous, votre relation, ou avec votre partenaire. Mais ça, l'as d'épée, ça peut être aussi une nouvelle façon de penser. Ça peut être une nouvelle façon de penser. C'est l'intelligence, hein, c'est ça, c'est voilà, c'est la détermination. Ça peut être aussi quand on a qu'on a un plan en tête, on sait ce qu'on veut, donc on y va. Ça peut être ça aussi, ou du moins ça peut être un état d'esprit aussi qu'on quitte. On a quand même aussi l'énergie du mât, donc on peut finalement laisser une façon de penser qui était obsolète auparavant et pour ensuite passer vers quelque chose d'autre. Très bien. L'autre énergie, nous avons le mât. Le mât, c'est une énergie qui est totalement indépendante. Elle ne dépend de rien du tout. Personne ne peut vous freiner. Rien ne peut vous contraindre, même pas votre partenaire. Vous êtes complètement libre. Si vous avez envie de dire, si vous avez envie de dire merde, vous direz merde. Excusez-moi. Mais c'est un peu comme ça que je le vois. Si vous avez envie de dire quelque chose, vous allez le dire. Parce qu'il n'y a rien qui pourra vous en empêcher. Après, le mât, ça peut être aussi des flottements, des autourderies. Enfin, vous êtes libre, mais peut-être que vous ne savez pas vraiment vers quoi est-ce que vous allez vous orienter maintenant. Ou peut-être qu'au contraire, vous savez très bien vers quoi vous orienter avec cette as de. Avec cette as d'épée, vous savez quoi? Je suis très intégrée. Généralement, l'as, c'est vraiment la symbolique finalement d'un nouveau départ. Donc, vous prenez un nouveau départ. Évidemment, c'est un nouveau départ intellectuel. Très bien. Allez, qu'est-ce qui va avec l'as d'épée et le mât? Qu'est-ce qui va avec l'as d'épée et le mât?
avec l'as d'épée, le mât. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de penser. Bon, finalement, c'est ça. Finalement, vous quittez un état d'esprit qui, pour vous, c'était épuisant, c'était fatigant. Peut-être d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, par rapport au mois d'août, peut-être parce que vous vous sentez contrôlé, vous vous sentez méprisé, vous vous sentez dominé. Et là, vous avez décidé de dire stop, stop, on arrête. Et là, vous reprenez le contrôle. Ça peut être ça aussi. Et là, en plus, on a cette carte du jugement. La carte du jugement, c'est la résurrection, la seconde vie, la seconde chance, peu importe comment est-ce que vous l'appelez, et du moins, peu importe par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Mais le jugement, c'est ça, c'est une résurrection, quelque chose qu'on fait de manière succincte, qu'on fait peut-être quelquefois de manière un peu brutale, mais c'est toujours bénéfique, vous voyez. Voilà. Qu'est-ce que... Oui, c'était ça qui allait là. Chouk. Bon, c'est pas mal du tout. Vous avez décidé de reprendre du poil de la bête. Et avec ce qui s'est passé au mois d'août, vous ne voulez plus vous faire marcher sur les doigts. Donc, c'est vraiment bien. Alors, cependant, du côté de votre partenaire, votre côté du partenaire, je le sens un peu freiné, un peu fermé. Il se peut aussi que votre partenaire soit du signe du taureau. Peut-être un ascendant taureau, du moins, voilà, ou pas, hein. C'est juste comme ça une supposition qui me vient en tête. Alors, on a la 7 de bâton et nous avons l'impératrice. Son état de pensée, il est très défensif. Peut-être qu'il se défend de quelque chose, qu'il s'économise pour quelque chose, peut-être qu'il défend quelque chose, une idée, un projet ou quoi que ce soit, et que peut-être que là, il est prêt à, comment vous l'expliquer, qu'il est prêt à foncer à la bataille si quiconque viendrait marcher sur son territoire ou qu'il viendrait lui mettre des bâtons dans les roues. C'est ça, la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est vraiment la retenue. Après, ça peut être la retenue envers vous. Tout à fait, ça peut être ça aussi. Peut-être que finalement, votre partenaire prend un peu des distances avec vous pour X raisons, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais peut-être qu'il prend, voilà, il prend une distance, ou peut-être qu'il essaie de maintenir une distance avec vous, peut-être qu'il essaye, ou tout simplement, peut-être qu'il y a une distance qui vous sépare, peut-être que je ne sais pas, que vous n'habitez pas ensemble, ou qu'il y a une distance, voilà. Bon, ça peut être ça. Du moins, la 7 de bâton nous montre qu'il est vraiment sur la défensive. Et on a l'impératrice. Vous savez ce que ça me fait penser ? Quand je vois les autres cartes du côté de votre partenaire, j'ai comme l'impression que, pas comme si votre partenaire s'en foutait du couple, mais c'est comme si, en fait, comment vous l'expliquez ? C'est comme si, finalement, il ne se donnait pas à fond dans votre relation. Qu'il ne s'en donne pas à fond, peut-être qu'il se freine, peut-être, parce que l'impératrice, c'est la beauté, c'est le luxe, ou du moins, c'est accomplir les choses, du moins par l'action, c'est l'intelligence, c'est aboutir les choses même. Alors, peut-être que finalement, votre partenaire se retient, peut-être, de se donner le maximum dans votre relation. Ça peut être ça. Ou du moins, peut-être que votre partenaire, il a quelque chose en tête, un projet ou je ne sais pas quoi, et il est déterminé, visiblement déterminé, et il est complètement focus dessus pour réussir et aboutir à ce projet de quelconque façon. Et là, visiblement, son état d'esprit qui est très, quand même, qui est très très dynamique, très intelligent, très 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 clairvoyant, très créatif, vous voyez ce que je veux dire. Bon, tchouk, voilà pour votre partenaire. Alors, votre passé, ou du moins l'action que vous avez menée dans votre passé pour en arriver là où vous en êtes maintenant, nous avons quand même l'énergie du pape. L'énergie du pape, c'est une protection. C'est du moins la protection, la bénédiction, peu importe comment vous l'appelez. Mais le pape, ça peut être aussi les conseils. Et moi, avec l'as d'épée, ça me fait penser à ce que vous avez pris dans votre passé, alors qu'il soit proche ou lointain, peu importe.
mais que vous avez pris une décision tranchante. Peu importe quelle décision, vous avez décidé de trancher comme ça, net, hop, comme ça, et ce ne sera pas autrement. D'où votre situation actuelle, et d'où cette situation aussi du mât où vous êtes totalement indépendant, où vous retrouvez votre indépendance. Donc voilà, vous avez pris une décision, vous avez décidé de prendre un chemin, littéralement, pour éviter, voilà, encore une fois, de vous faire marcher sur les pieds, parce que assez, quoi. Donc c'est ça le pape. Ou du moins, le pape, ça peut être aussi une personne qui... une sage personne, ça peut être un père ou du moins un vieil homme ou une vieille femme qui est venue là vous donner des conseils pour un peu vous sortir de cet un peu ce tracas. Alors ça peut être un père, une mère, je ne sais pas trop. J'ai envie d'en mettre une sur le pape pour vous. Qu'est-ce qui va avec le pape pour mes amis balance, le pape, merci bien. Alors oui, voilà, pour certains d'entre vous ça peut être une personne, hein. Ça peut être une personne, mais pour d'autres, ça, c'est aussi, comment vous dire, comme je l'ai dit, bon, je reste sur ma première intuition, sur ma première impression, 7 de denier. Vous avez fait l'état des lieux de ce que vous avez perdu, vous avez fait un bilan, un inventaire de votre corps, que ce soit un bilan physique ou moral ou psychologique. Vous avez fait un bilan et vous avez décidé de prendre une décision tranchante, nette, précise, comme ça, hop. Et tout simplement parce que c'est tout simplement que vous avez décidé de faire ça, de prendre cette décision, parce que vous en avez l'intuition, parce que vous avez l'impression que c'était la meilleure chose à faire pour votre bien à vous. Voilà. L'action qu'a menée votre partenaire dans son passé, on a la papesse. J'ai l'intuition, je ne sais pas pourquoi, alors... J'ai l'impression que même avant que votre relation commence, votre partenaire vous observait. Ou du moins, peut-être qu'il vous espionnait, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il, voilà, qu'il vous espionnait, peut-être qu'il essayait de... voilà, qu'il vous observait de loin, plus ou moins de loin ou de près, ça peut être ça, mais du moins qui nous fait penser à ça, la papesse. Tout ce qui touche au domaine un peu mystérieux, un peu secret, un peu réservé, ça peut être ça. La papesse, ça peut être l'intuition, puisqu'il s'est laissé guider par l'intuition, ça peut être ça aussi. Bon, autre chose, je voulais dire autre chose. Bon, je ne sais plus. On va voir ce qui va avec la papesse. Pour avoir plus de précision, pour voir est-ce qu'il vous espionnait de loin ou de près, ou est-ce que c'est autre chose pour certains d'entre vous. Allez, la papesse. Ouais, c'est exactement ça. Votre partenaire vous espionnait. Il vous espionnait de loin, ou du moins, il était peut-être en train de vous étudier, peut-être qu'il était en train de se demander si peut-être c'était la bonne personne. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors ça peut être ça. Autre chose, il se peut aussi que votre partenaire soit, ou du moins a été dans une période de solitude quand même assez longue. La papesse et l'ermite, c'est pas joyeux, hein. Qu'on se le dise, c'est pas joyeux. C'est généralement un peu quand on a tendance à se replier sur soi-même, qu'on a tendance à se sentir seul, la solitude... Voilà, vous voyez un peu ça, donc ça peut peut-être potentiellement me faire penser à une période de célibat quand même une période de célibat assez longue, ou du moins ça peut aussi me faire penser au fait que cette situation-là qu'il est en train de vivre avec vous, que c'est une situation qu'il attendait peut-être avec impatience. Voilà un peu ce que je peux vous en dire, mes très chers. Hop, je vais le mettre là pour essayer de faire en sorte que ça ne n'obstrue pas la vision des autres cartes. Très bien. Alors, les positions suivantes, les deux positions suivantes sont... Enfin, la position suivante, pardon, est... les actions en fait que vous engagez au sein de votre couple. Nous avons
le soleil, le bonheur, le fait que ce soit rayonnant. Pour vous, vous êtes sur un petit nuage. Pour vous, vous êtes heureux, heureuse, ou du moins, voilà, c'est, cette relation est enfin maintenant aboutie. Elle est, voilà, elle est lumineuse, elle est débordante, elle est pleine de vitalité. Voilà quoi, c'est vraiment rayonnant. Vous vous entendez bien, vous êtes heureux. On a quand même l'impératrice et le soleil qui visiblement me montrent, voilà, que bon, franchement, il n'y a vraiment pas de, y a pas de souci au niveau des sentiments. Vous êtes vraiment tous les deux amoureux l'un de l'autre, donc c'est pas un souci. C'est ça. Cependant, avec le soleil, ce qui me gêne, ce qui pourrait aussi vous gêner, c'est ce diable. Voilà pourquoi, ce que au début j'essayais de vous dire, ou du moins j'essayais de vous transmettre. Je ne sais pas comment vous le dire, je ne sais pas comment vous l'annoncer. C'est comme si finalement, c'est vous, hein, c'est vos actions que vous engagez. Désolée de vous dire ça comme ça, mais voilà, le diable, c'est pas forcément une carte qui est très très positive, hein, qu'on se le dise honnêtement. C'est pas une carte très positive, ou du moins, c'est comme si vous essayez de dominer soit votre partenaire, ou vous essayez de dominer votre relation, de dominer votre couple, comme si vous essayez de prendre les rênes du couple même. Si vous voyez ce que je veux dire, que vous essayez, voilà, de contrôler, peut-être parce que vous avez peur que votre partenaire vous échappe, pour X raisons. La réponse, elle est là. Je sais pas, comme si vous essayez, peut-être, vous essayez de pas manipuler, j'aime pas dire manipuler. C'est vraiment difficile de dire. Du moins, vous essayez d'émettre une certaine puissance sur votre partenaire. Peut-être que vous essayez de le contrôler, peut-être que vous essayez de vous le surveiller, peut-être que vous veillez vraiment à ce que, je ne sais pas, qu'il n'aille pas voir ailleurs. Peut-être que vous avez tendance à l'étouffer, peut-être que vous êtes enfermé dans une énergie où vous voulez l'étouffer, où vous voulez l'avoir juste à vous, parce que vous vous sentez bien, que vous sentez heureuse avec lui ou heureux. Et voilà, vous voulez garder cet homme, et que vous avez cette emprise sur lui ou sur le couple même, sur votre relation, qui pourrait potentiellement l'étouffer. Voyez-vous ce que je veux dire ? Bon. Alors, les actions engagées par votre partenaire, nous avons la 8 de bâton et nous avons la roue de fortune. Alors, rapidement, j'ai envie de dire rapidement, les choses vont changer. Du moins, votre partenaire fait en sorte que les choses vont rapidement, de manière un peu brutale ou non, va changer. Ou du moins, la roue du destin va tourner pour lui, peut-être un coup de chance, ou du moins, je ne sais pas, un coup de rapidité. Peut-être que les rôles vont s'inverser, ou du moins, peut-être qu'il va y avoir un retournement de situation, du moins qu'il va y avoir peut-être une surprise, encore une fois, là. Il est quand même assez difficile, votre tirage, hein, qu'on se le dise. C'est pas... Très bien, on a la 2 de bâton. Alors maintenant c'est votre partenaire qui a décidé. Ouais, c'est... c'est bizarre parce que... Ouais, c'est vraiment très... Il est très curieux, ce tirage. C'est fou, ça. J'ai encore jamais vu ça. J'ai encore jamais vu un tirage comme ça. C'est lourd, hein. C'est lourd, lourd, lourd. Enfin, du moins, vous deux... Bon, enfin, bref. Voilà, bon. Décidément, je pense que là, votre partenaire a décidé de mettre un point final. Il a dû être emprisonné, il a dû être isolé, peut-être dû à ça, là. Je suis désolée, bon, à ce... Je ne sais pas comment m'expliquer, à cette espèce d'énergie que vous essayez de mettre en place. Peut-être que c'est ça qui l'emprisonne, et qu'il a, il décide de faire un choix difficile, de se lancer vers quelque chose pour pouvoir balancer. Peut-être que, parce que lui aussi, il ne veut pas se laisser dominer, ou ne veut pas se laisser maîtriser, donc il risque, voilà, de faire changer les choses. Bon, voilà ce que je peux vous en dire. Très bien.
Le conseil qui vous est donné, mes très chères balances, c'est la 10 d'épée, soit soyez tolérant et soyez ouvert d'esprit. Ne soyez pas fermé d'esprit, ne soyez pas fermé à une autre façon de penser ou à une autre façon de faire. Il n'est pas impossible que là, vous avez fait un faux départ, que là, on vous conseille de faire machine arrière et de reprendre un nouveau départ. La 10 d'épée, ça vous conseille évidemment de voir les choses en grand, de ouvrir votre périmètre de vision et de voir autre chose et de voir au-delà de vous, comme si votre vision était comme ça. Bon, maintenant il faut boum, faut vous ouvrir aux autres, ou du moins faut ouvrir votre esprit, peut-être potentiellement aux différents conseils qu'on pourrait vous transmettre. Très bien, le conseil qui est donné à votre partenaire, la 2 de coupe, eh bien, de se concentrer sur, comme je vous l'ai dit, de se concentrer sur votre couple, sur votre, sur vous, sur la personne qui l'accompagne chaque jour. Vous savez maintenant, avec du recul, vous savez à quoi ça me fait penser. Je pense que finalement, là, ce que vous êtes en train de manifester, qui n'est pas forcément très sain, entre guillemets, désolé de le dire comme ça, n'est pas forcément très sain, c'est comme si en fait vous essayez ou vous cherchez de capter l'attention de votre partenaire. C'est comme si, ouais, vous cherchez de capter l'attention de votre partenaire pour qu'il ait des yeux que pour vous, ou du moins pour qu'il s'implique vraiment réellement dans votre relation, ou qu'il s'implique vraiment avec vous, dans votre vie de couple, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, avec du recul, ça peut être ça. Ça peut être essayer de maîtriser, contrôler l'autre personne pour essayer de, pour un peu, ouais, essayer de le faire sortir de sa grotte, ou pour essayer qu'il s'investisse un peu. Voilà, mes très chers. L'issue du couple, à ce stade, c'est pas gravé dans le marbre, la 2 de denier. La 2 de denier qui est le fait de pouvoir jongler d'une activité à une autre, de pouvoir finalement, comment vous l'expliquer, de pouvoir bien gérer ses finances, peut-être, de bien gérer ses finances avec l'autre, pas forcément si vous avez un compte commun, mais bien gérer vos finances, bien gérer vos biens que vous avez acquéris, d'être tous les deux en fait. Là, on a deux, hein. Et deux, c'est quand même le deux, c'est quand même le duo. Donc, fonctionner à deux, d'un point de vue sentimental, mais d'un point de vue aussi financier, ou de vos potentiels projets en commun. Donc, voilà mes très chères balances pour ce tirage qui est quand même, qu'on se le dise, waouh, qui était quand même assez mouvementé. J'espère qu'en tout cas, bon, vraiment là, j'ai vraiment besoin de votre avis en commentaire. Vraiment, dites-moi un peu si c'est vraiment ça. Bon, si ça correspond à votre, si ça correspond vraiment à ce que vous êtes en train de vivre. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage. N'hésitez pas à me faire mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu, de me laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Et je vous retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages.